Après avoir laissé le musée d'histoire de Ouidah, nous avons suivi un autre guide qui va faire les étapes de la route de l'esclave avec nous. Et là, nous nous sommes arrêtés à la place des enchères. C'est la première des sept stations. Dans cette première station, il y avait tellement de bruit, on a décidé de mettre des sous-titres pour que vous puissiez comprendre les explications du guide. Je vous laisse regarder. Lorsque nous voyons avec les esclaves qui sont les bandits, sous l'âle là, devant la maison de Souza. D'abord, Souza c'est un Brésilien qui a fait beaucoup de l'esclavage. Il est arrivé à Ouidah en tant que directeur du fort portugais. Il a vu que dans le fort d'esclavage, il a beaucoup d'argent. Il est parti de faire des missions et des revenus. Pardon. Chez nous, quand on voit, quand on les voit devant les esclaves, il a fait tout possible pour être ami intime au roi de Ouidah-Boumé. Il est devenu vice-roi de Ouidah. Et en tant que le vice-roi, il a un grand pouvoir pour vendre les esclaves. Et lorsque le roi a mis les esclaves, on les vendait ici. Une fois acheté les esclaves ici maintenant, on avait fort. Parce que les forts sont des entrepôts. En fait, pourquoi c'est là le fort pour voir si on résiste ça? Les droits de l'univers sont enchaînés pour prendre la voie. Mais après la boutique des esclaves, ceux qui sont revenus, leur retour, les autres Africains perdus, ils ne retournent pas leur pays natal. Mais ils savent que ça ne porte pas le Ouidah. C'est pourquoi, quand on est revenu, beaucoup sont venus rester à Ouidah. Ils ont créé un quartier ici qu'on appelle quartier Brésil. Vous allez traverser ça. Quartier Brésil. Quartier Brésil. Quartier Brésil. Donc, en fait, c'est ceux qui étaient partis du Brésil et qui sont revenus du Brésil. Oui. D'accord. Et en fait, quand ils sont revenus, ils ont amené toutes les coutumes du pays avec eux. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez adopté, enfin les gens de Ouidah ont adopté ces costumes. La lumière ne peut pas arriver. La lumière de ne pas arriver. Non, la lumière ne peut pas arriver ici. Ah, la lumière n'était pas arrivée ici. Non, ça ne peut pas arriver, on ne peut pas voir la lumière ici. Là, c'est ici où se trouve la case noire, le magasin des esclaves. Ah, d'accord. Bon, donc, ici, là, ils ont construit le magasin. Ah, d'accord. Il n'a pas de fenêtre. Les femmes, les hommes, les enfants sont gardés ici pour attendre l'arrivée des esclaves. Et on les fait sortir que la nuit, il faut leur donner de l'eau et du pain. Ils étaient gardés dans quoi? Hein? Ils étaient gardés dans la case? Dans la case noire. Oui, il y avait une case. Oui, c'est le magasin des esclaves. C'est ici. C'est là. Comme des bêtes, hein? La deuxième étape, c'est la case noire. C'est un entrepôt où on gardait les esclaves. Il n'y avait pas de lumière. Et on ne voulait pas non plus qu'ils voient le soleil. On gardait les gens qui ont été capturés pour les envoyer ensuite sur les bateaux négriers. Ici, on est en route pour visiter la troisième station, qui est la troisième étape de notre visite sur la route de l'esclave. Et nous allons visiter maintenant l'arbre de l'oubli, où on les faisait faire 9 tours pour les hommes, 7 tours pour les femmes, pour qu'ils puissent oublier leur vie passée ou leur pays d'origine. C'est l'arbre qui est très fort chez nous. On fait beaucoup de choses. L'arbre de purification. L'arbre de purification. Purification. Oui. C'est sûr de voir parce que l'arbre là, ils font des tours 9 fois pour oublier. Il faisait combien de tours? 9 fois les hommes, 7 fois les femmes. 9 fois les hommes et 7 fois les femmes.
À la quatrième étape, on a pu visiter le mémorial du souvenir. C'est un monument qui a été construit là où on a enterré beaucoup d'esclaves ou beaucoup de capturés qui n'ont pas pu faire le voyage. Alors, je vous laisse regarder. D'expression inconnue. Mm-hmm. Et vous allez voir comment on les aide un bateau. Un bateau doit contenir 1000 esclaves. Un bateau doit contenir 1000 esclaves. La moitié doit mourir avant de partir. Avant de partir. Mm. Et c'est... Mais pourquoi ils les faisaient mourir avant de partir? C'est pour les affaiblir, pour qu'il n'y ait pas de révolte. Nous nous dirigeons maintenant vers la cinquième étape de notre visite, l'arbre du retour. L'esclave, avant de partir, devrait faire 3 fois le tour de cet arbre. On leur disait que ce rituel garantissait que leur esprit reviendrait sur la terre de leurs ancêtres à leur mort, même s'ils mouraient sur une autre terre. Et maintenant, nous quittons la ville et nous nous dirigeons vers la plage où se trouve la porte du non-retour. Les esclaves parcouraient à pied et enchaînaient les 4 km de Ouida jusqu'à la côte où ils devraient être embarqués. Mais généralement, ceux qui visitent la route de l'esclave le font à pied en mémoire de leurs ancêtres. Malheureusement, nous ne l'avons pas fait à cause d'une contrainte de temps. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Nous nous dirigeons vers la plage où se trouve la porte du non-retour. Et cette porte du non-retour est la 7e et dernière étape. Nous devons signaler qu'il y a une étape que nous avons manquée. Et c'est la maison fleurie, et cette maison a été détruite. Et dans cette maison, chaque esclave devait y passer pour être marqué au fer par son propriétaire. Ah, c'est joli, hein? Ah ouais! Et là, c'est la porte du non-retour. Donc, en fait, c'est là qu'on embarquait les esclaves. Donc, nous sommes arrivés à la porte du non-retour. Donc, c'est au Bénin, c'est là où les esclaves embarquaient sur les navires. Apparemment, ils faisaient plusieurs étapes. Après, on les emmenait à El Minar, ce qu'on a visité. Le château, et ensuite il faisait un arrêt au Sénégal et après il prenait la route pour le Brésil ou les autres destinations. Voilà la porte du non-retour et c'est face à la mer, hein. Nous avons les esclaves hommes, les enfants, les femmes et les enfants. Les femmes sont ici avec les enfants et avec les hommes. Okay. Ils dressent ici les bras robustes qui peuvent travailler là-bas. Et à Ouida, il n'y a pas de bras Ouida. Quand vous venez, quand vous au large de la mer, avec des pirogues, vous venez chercher. Regardez comment ils sont enchaînés dans les pirogues, dans les bateaux. Et une fois que vous mourrez ici, on vous fera, on vous amène dans le village. Parce qu'on n'a pas encore traversé la côte nord. Et s'il mourait, dès que vous pouvez avoir besoin, vous avez besoin de la mer. Ne mangez pas les poissons.
peut retourner. Quand nous sommes arrivés à la porte du non-retour, le guide nous avait invités à traverser pour voir si on peut retourner. Et maintenant, sur ces images, vous pouvez voir que nous avons franchi la porte et que nous sommes en train de retourner par cette même porte où on avait dit à nos ancêtres qu'ils ne pourraient plus jamais franchir. D'esclaves ou bien de ceux qui ont été capturés par les Européens pour être mis en esclavage. Moi, je ne connaissais pas l'histoire. Là, pourtant, j'avais vu des émissions, j'avais été à des conférences, mais tant que tu n'as pas vu le dessus, ce que j'avais appris et ce que j'ai vu, c'est totalement différent. Moi, je disais tout à l'heure que je m'attendais à voir la vérité. Point de rue de Vignan, des sorciers, des gens bizarres. Et je vois que c'est une ville vraiment formidable, une grande ville d'Afrique. Donc ça, c'est vraiment important, c'est de faire des voyages culturels, apprendre son histoire. Parce que sinon, on ne pouvait pas se remuer à la montée.